Quand on a su qu'on allait à la fête du sapin président, on a un peu hésité sur le dress code. Bikini moon boots ou claquettes doudoune? Parce qu'au four, il y a comme un microclimat. Dans la clairière, les skis sont de sortie. C'est vraiment super rigolo de faire ça, je trouve. C'est... Vous savez qu'il y en a qui sont à la plage aujourd'hui? Bah tant pis pour eux, hein. Nous, on va être au frais, on va être bien. Dès qu'il y a de la neige, on vient, nous. Et oui, de la neige sur 200 mètres de long, juste ce qu'il faut pour piquer un petit sprint hors saison et en pleine canicule. Un miracle? Non. Un coup soigneusement monté, on vous explique. Au pays des bourris, la rebelle attitude, ça se travaille depuis l'hiver. Et ici, c'est fou ce qu'on gère. C'est de la neige crue 2017-2018, si je puis dire. Donc de la neige qui est tombée naturellement sur le site, qu'on a compactée en immenses monticules et qu'on a conservée sous une épaisse couche de sûre. Alors on a cubé comme ça un peu à la louche, enfin plutôt au pied on va dire. On avait à peu près 850-900 mètres cubes au départ. Et là, je pense qu'on a un bon 450-500 mètres cubes, voilà. On l'étale avec le dameur et on la chenille, donc ça veut dire qu'on passe beaucoup dessus avec le dameur pour bien la tasser, pour éviter tout qu'il y ait de l'air à l'intérieur, et comme ça c'est pas possible qu'il y ait de l'air, donc du coup ça peut pas fondre tout simplement. Ceux qui fondent, ce sont les pros. De Pyeongchang au four, les champions ne résistent pas à l'appel de la glisse. On aime bien le ski, on n'en fait pas tant que ça pendant l'été, donc voilà, c'est l'occasion de s'amuser aussi voilà, autour du ski. Ça reste une belle fête, donc ça va être un beau moment. Oui, ça vous change de la Corée. Oui, il fait un peu plus chaud. C'est fun, ouais. On retrouve les copines, Célia, Céline, les garçons et tout. Non, c'est super sympa. C'est pas trop dur après la pause? Ce qui est dur, c'est qu'on a l'impression d'avoir des skis de 10 mètres de long, mais par rapport aux skis à roulettes, qui sont beaucoup plus courts. Mais c'est sympa, c'est vraiment rigolo et c'est un vrai bonheur de skier là un 29 juillet. Et pour rester bien frais, tout ça finira par une soirée soupe aux pois tartiflettes. Tant pis pour le régime maillot, de toute façon, il n'y a plus de saison.